Elle aussi. Ah, mince, pourquoi elle fait partie du corps? Parce qu'elle en a marre aussi. Tu veux qu'on parle travail? Eh ben très bien, parlons-en. Alors tu vois, moi ce matin j'ai pris mon thé devant le vagin éclaté d'une gamine de 11 mois. Et après j'ai parlé à sa mère qui était sur le point de se foutre une balle dans la tête parce que sa môme se faisait violer depuis plusieurs mois. Alors comment te dire? Ouais, je crois que je suis un bon flic. Même si je vois pas les choses comme toi. Hein? Alors tu me laisses un peu me détendre et puis t'arrêtes de m'emmerder. Ok? Et là tu vas me dire... Oh là là, on peut jamais te parler toi. Pourtant on a un binôme, non? Mais d'où on est un binôme? Un binôme, ça communique. Là, pas du tout. Tu me dis toujours ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, ce que je fais de bien ou pas. T'es sans arrêt dans le jugement. Alors écoute, arrête de me faire chier et arrête de me donner des leçons. Ah, et puis aussi, je te donne pas le droit de parler de mon mec. Parce que mon mec, je l'ai quitté à cause de toi pour un truc dont j'étais aussi responsable. Parce que toi, tu traites tous les hommes comme si c'était de la merde. Eh ouais, t'es incapable de donner de l'amour. J'ai tellement honte de t'avoir écouté. Ma famille me manque, mes enfants me manquent, tu comprends ça? Ben ouais, tout ça c'est de sa faute. Elle m'a poussée. Alors t'arrêtes de me faire chier. Parce que si, même si ça te fait chier, je l'aime moi mon mec. Toi t'aimes personne. T'es sèche comme un coup de trique. T'es qu'une merde.